Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo liée à Mist of Pandaria, l'extension Mist of Pandaria. On y reviendra, hein, le Mist of Pandaria, qui est dur à dire en français, même en anglais d'ailleurs. Donc on va parler un petit peu d'un événement qui s'appelle, intitulé les Fardeaux de Shaowao. Alors à la base, c'est tout simplement toute une série de cinématiques qui ont été faites par Blizzard concernant le personnage de Shaowao. On va revenir plus en détail parce qu'en fait, à la base, j'avais pas prévu de faire une longue vidéo, mais il est vrai que c'est un événement qui est assez intéressant pour parler de plein de thématiques, notamment de ce qu'on appelle le chat ou les chats, qu'on va voir après, également la formation de la Pandarie, etc. etc. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important pour l'extension Mist of Pandaria, notamment un petit peu pour préparer aussi la vidéo sur les Pandarènes, vraiment dédiée aux Pandarènes. Et encore une fois, eh bien, c'est une annexe de Mist of Pandaria et j'espère qu'elle vous plaira. En plus, l'époque est assez intéressante, comme on va y venir juste après, puisque en fait, tout simplement, Shaowao c'est qui et ça se passe quand, hein, c'est tout simplement un empereur de Pandarie, donc un empereur de la lignée impériale Pandarène. Alors quand je dis la lignée impériale Pandarène, c'est, on va y revenir après, il y a plein de dynasties d'empereurs de ce qu'on appelle l'Empire Pandaren, et dedans il n'y a pas que des Pandaren, mais voilà, lui en tout cas est Pandaren. Et cette période donc, elle commence à peu près, enfin là où Shaowao commence, c'est tout simplement à l'époque de la guerre des anciens, donc 10 000 ans avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, à savoir Warcraft 1. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, hein, la période de la guerre des anciens, c'est toujours très 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 cool. Et moi je vous conseille personnellement de regarder du coup l'ensemble des vidéos liées justement au fardeau de Shaowao, hein. Vous avez la première partie qu'on oublie un peu, la partie 0 qui est l'introduction, ensuite fardeau 1, enfin épisode 1 fardeau, épisode 2 fardeau 2, etc., etc. Je vous mettrai tout ça dans la description, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez important, mais je comptais pas, à la base, enfin le problème c'est que c'est trop long, c'est 24 minutes de vidéo, juste toutes les unes collées aux autres, donc on va éviter de faire tout ça, en plus d'analyser toutes les cinématiques, donc je vais plutôt en profiter pour faire à la fois une analyse, un décryptage des cinématiques, mais surtout en profiter pour faire véritablement un épisode Histoire d'un héros sur justement cette période. Alors, petit rappel au niveau du contexte, on est sur le premier court-métrage, ce qu'on appelle en motion comics, donc c'est-à-dire en dessin animé, véritablement hein, des dessins animés. Et c'est tout simplement le premier, la série des Fardeaux de Shaowao a lancé, on va dire, cette ouverture qui a continué jusqu'à aujourd'hui, hein, avec toutes les extensions. Donc on a commencé à Mist of Pandaria avec les Fardeaux de Shaowao, qu'on a tendance à oublier, puisqu'on a tendance à dire que c'est World of Draenor qui a commencé avec les Seigneurs de Guerre, et du coup, bah, là vous le voyez, l'épisode sur Kargath. Ensuite, nous avons les Présages à Légion, hein, qui sont en dessous, Prémices pour Battle for Azeroth. J'ai tendance maintenant à tous les appeler les Prémices, parce que je trouve que ça marche très très bien. C'est généralement avant l'extension que ça sort. Et les Éternités, hein, les courts-métrages d'animation qu'on a pu voir, les Éternités pour Shadowlands, histoire d'introduire les 4 congrégations. Donc ça c'est assez intéressant parce que en fait, toutes ces cinématiques que vous avez pu, enfin toutes ces cinématiques en animation que vous avez pu voir précèdent, c'est pour ça que je les appelle souvent les prémices, parce qu'à BFA, bah, c'est vrai que ça portait très bien son nom, c'était souvent les prémices de la sortie de l'extension. Pour présenter des personnages importants, présenter un petit peu les événements importants et les thématiques importantes liées à l'extension. Alors que, au final, eh bien, pour Mist of Pandaria, les Fardeaux de Shaowao n'est pas sorti avant l'extension. Et qui est pourtant vachement important, parce que à la fin des cinématiques, on te présente vraiment un petit peu la Pandarie et beaucoup de choses importantes de la Pandarie. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est sorti à peu près entre la transition entre la 5.3 et 5.4. Donc, quasiment juste avant le siège d'Orgrimmar et donc la fin de l'extension. Ce qui est très étonnant, parce que si vous regardez la fin des Fardeaux de Shaowao, on vous dit bienvenue en Pandarie presque. Et avec Evanessor, hein, qui m'a aidé également, qui m'a beaucoup aidé à faire cette vidéo, et qui est d'ailleurs lui un petit peu qui a poussé à faire plus qu'une analyse de cinématique, et il a bien raison, au final, c'est tout simplement, on pense qu'il y a eu un retard sur la production et que ça aurait dû sortir bien avant et que finalement c'est sorti en retard. Ça nous semble vraiment être un retard de production, mais ça on s'appuie sur rien, hein, c'est que des impressions. C'est quand même assez étonnant et ça vous présente vraiment la Pandarie, les zones aussi de la Pandarie et tout. Ça a l'air vraiment d'être quelque chose qui te présente plus, qui remet le contexte aussi avec la guerre des anciens, etc. Donc comment la Pandarie est devenue ce qu'elle est, présentation des brumes de Pandarie, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment bizarre de sortir ça en fin d'extension, je trouve. Ça a pas trop son sens. Donc on vous présente tous les chats
Et au final, l'extension, bah, vous les avez déjà battus, quoi. Donc c'est vraiment étonnant, je trouve. Mais ça reste bien sûr très intéressant, et donc je vous les conseille en dans la description. J'ai dit en miniature, dans la description. Donc, revenons un petit peu sur le contexte. Puisque Shao Hao est un empereur qui succède à de nombreux empereurs et de nombreuses dynasties, puisque à la fin, on a vu la dernière fois dans une autre vidéo, l'Empire Mogu et la fin de l'Empire Mogu avec la révolte de Kang, hein, la vidéo sur la fin des empires, eh bien, il y a des dynasties pandaren qui vont se succéder avec différents empereurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a qu'un seul nom de dynastie, et ça, cette période s'étale sur 2000 ans. 2000 années où, justement, plusieurs dynasties vont se succéder, etc. Et on ne connaît qu'une seule dynastie, c'est la dynastie des Pattes du Tonnerre, donc les Thunder Pao. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, on n'a pas que des Pandaren en empereur. C'est pour ça que c'est toujours important. L'Empire Pandaren, c'est Pandaren, mais pas que. Et du coup, il y a des empereurs Jinyu, comme vous avez le nom, hein, Rasharom, un empereur Ozen, Rictik, qui est connu pour avoir un règne très très court, Ku, Shu, et bien sûr Shao Hao, qui va nous intéresser dans cette vidéo. Mais sinon, voilà, c'est que des règnes, sinon, en fait, on a une seule dynastie, sinon c'est que des règnes d'empereurs différents. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important à retenir, parce que souvent on dit l'Empire Pandaren et les empereurs Pandaren, mais au final, bah, dans les empereurs Pandaren, tu as des empereurs qui ne sont pas que Pandaren, donc c'est vraiment multiracial. On est donc tout simplement 2000 ans après la révolte de Kang, donc et la fin de l'Empire Mogu. Nous sommes sous le règne de l'Empereur Shao, ça je pense que vous l'avez compris. Et comme on l'a dit juste avant, c'est une période qui va connaître de très nombreux troubles. Puisque c'est la période que l'on appelle Guerre des Anciens. Je vous en avais déjà parlé, je vous en ai déjà un petit peu tease avec la vidéo sur la fin des Empires. La Guerre des Anciens, c'est ce qui va nous... Après le gros... chapitre Mist of Pandaria, la guerre des anciens, c'est quelque chose qui va nous, nous demander beaucoup de temps à préparer, parce que c'est une période génialissime, c'est une période très intéressante de l'histoire de Warcraft, et où il y a beaucoup, beaucoup de thématiques, et il n'est pas fort à parier que dans le futur de la licence Warcraft, on revienne sur d'autres événements, pour aussi légitimer certaines nouveautés et autres, en reprenant un petit peu des épisodes de la guerre des anciens. C'est pas bête, on le voit très bien avec Légion par exemple, avec les Sacres Nuits et les Aurochs, hein, bah on récupère certains trucs de la guerre des anciens qui étaient un peu évoqués, et on va un petit peu le développer pour justement le ramener un petit peu à l'époque actuelle. Donc ce qu'on appelle la guerre des anciens, très pour faire un bref résumé, c'est tout simplement la première invasion de la Légion Ardente, donc des démons de la Légion Ardente qui arrivent, qui déferlent sur Azeroth. Et ça, donc c'est un affrontement au niveau planétaire, hein, puisque c'est une invasion planétaire de la part des démons. Faut bien se rappeler de quelque chose aussi, c'est que c'est à la base les Elfes de la Nuit qui ont ouvert le portail permettant aux démons de débarquer sur Azeroth et de menacer l'existence même de la vie sur la planète. Donc c'est quelque chose d'assez important, si vous voulez, en attendant la période, en attendant les vidéos sur la guerre des anciens, si jamais vous avez soif de cette connaissance et que vous voulez, avoir un petit résumé, vous pouvez tout simplement regarder ma vidéo sur le prémisse d'Ashara, où je recontextualise un petit peu, pas forcément trop dans le détail, mais je recontextualise pas mal la guerre des anciens. Voilà, je vais essayer d'éviter de faire trop de détails sur la guerre des anciens à cette période. Mais voilà, il faut bien se rendre compte qu'il y a une menace d'invasion planétaire sur l'ensemble du monde. Donc forcément, les Pandaren sont également concernés par ce problème. Donc le conflit apocalyptique que j'évoque, la guerre des anciens, c'est tout simplement hein, la menace du flot des démons ininterrompus qui débarquent sur Azeroth, et les terres de l'Empire Pandaren sont également concernées. Elles ne sont pas menacées directement dans un premier temps, mais au fur et à mesure, avec la propagation de l'invasion ardente, j'ai envie de dire, eh bien, l'Empire Pandaren est confronté, sachant que géographiquement, je ne vous ai pas fait une carte de l'ancienne Kalimdor, mais l'Empire Pandaren est au sud du noyau de l'invasion, j'ai envie de dire, du cœur de la tempête, parce que le cœur de la tempête, c'est vraiment le centre, avec le Maelstrom, hein, ce qu'on appelle tout simplement le puits d'éternité. Donc c'est quelque chose de très important, puisque ça concerne quand même les Pandaren un peu de loin, mais ça les concerne aussi, bien sûr. Et la menace mondiale va avoir forcément des conséquences partout sur le monde. Hein. Et là encore une fois, je vous redirige vers la vidéo sur Ashara, hein, sur le prémisse Ashara, qui est dans la playlist Battle for Azeroth, si jamais vous avez du mal à trouver, mais sinon vous tapez Ashara, et normalement il n'y a pas de problème sur le moteur de recherche de la chaîne. Ensuite donc, ces cinématiques, c'est comme les prémices de Battle for Azeroth et comme d'autres vidéos justement de court-métrage, elles sont narrées, on a un narrateur qui vous parle de certaines choses,
Et ce narrateur, eh bien, attention, très important, on a tendance à l'oublier, c'est un point de vue, c'est le point de vue du narrateur. Et ce narrateur, c'est pas un narrateur omniscient qui sait tout, etc. C'est un narrateur qui vous raconte une histoire, donc il vous raconte soit du point de vue interne, soit du point de vue externe, mais c'est le personnage qui vous raconte une histoire. Ce qui fait que ce que vous voyez à l'écran peut être un petit peu romancé, ou en tout cas édulcoré, pour correspondre à la vision du narrateur. Alors, bien sûr, les scénaristes peuvent se permettre des libertés grâce à ça, hein, grâce à ce point, mais c'est quelque chose d'assez important. Et ici, sur les fardeaux de Shao Hao, le narrateur des vidéos, c'est le chroniqueur Shou. Chroniqueur Shou, du coup, qui est un contemporain de la plupart des héros de Warcraft et de nos personnages, tout simplement, puisque c'est un personnage que l'on rencontre à Mist of Pandaria dans le jeu. Donc c'est un historien pandaren qui fait partie de l'ordre des chroniqueurs, on en a déjà parlé dans la vidéo sur Kang, et du coup c'est pas vraiment la réalité, c'est très romancé, c'est très poétique, et bien sûr l'autre point c'est tout simplement qu'on a l'impression que ça dure même pas une heure, alors que les fardeaux de Shao c'est quelque chose qui a vraiment existé, qui est narré également en jeu et autres, hein, notamment vous avez plein de petits bribes de lore pour vous parler de cette période, ça a duré, donc il y a vraiment une différence entre la version romancée et ce qui s'est passé, sachant que les deux sont d'un certain point de vue, donc on n'a pas forcément, l'idée c'est d'essayer de rattacher un petit peu les deux, et ce qui est assez intéressant c'est que du coup je vais pouvoir analyser par rapport aux vidéos sur Shao que vous avez regardées au préalable, hein, je vous invite vraiment à les regarder, et ensuite, eh bien, vous donner aussi des détails qu'il manque dans les vidéos des fardeaux. Et parfois, les vidéos des fardeaux rajoutent des choses qui ne sont pas aussi dans les détails, justement, de ces événements en jeu, in-game. Ce qui est assez intéressant, c'est que parfois, par exemple, un seul épisode s'écoule sur des mois. Ce qui fait que l'ensemble des pérégrinations de Shao Hao représente potentiellement des années en fait, contrairement à ce qu'on peut voir justement dans la cinématique, enfin dans les cinématiques d'ailleurs. Donc c'est quelque chose d'assez important. Shao Hao, c'est un véritable mythe pour les Pandaren. C'est, quand je dis mythe, c'est vraiment la légende des Pandaren, mais il a vraiment existé, hein, Shao Hao. Bien sûr, il y a des visions romancées. On a un petit peu refait le personnage pour lui donner beaucoup de points forts et vraiment le dépeindre comme un grand héros de l'histoire Pandaren, mais c'est un mortel de chair et de sang. Qui a cherché justement à faire de son mieux lors d'une période que j'ai évoquée, une période qui est vraiment très riche en rebondissements, qui voit justement de graves troubles dans le monde et dans l'empire aussi de Shao Hao. Parce que Shao Hao est un empereur, encore une fois. Donc en tant qu'empereur, il doit protéger son peuple, il doit protéger sa patrie, etc. Et il doit faire des choix qui sont extrêmement difficiles. Donc c'est vraiment une vision qui est romancée de sa vie et de ses actes. Je préfère le redire. Et je tiens à le rappeler aussi, comme la plupart des prémices. Par exemple, le prémice d'Ashara. Si vous avez regardé ma vidéo sur le prémice d'Ashara, hein, quand les démons et l'invasion de la Légion Ardente arrivent, il fait pas un super ciel et on n'est pas à Mykonos. Hein. Enfin, plutôt Santorin d'ailleurs. On n'est pas à Santorin, il fait beau, il fait tout calme. Hein. Pas du tout, hein, c'est pas du tout ça. Et j'aurais tendance à le dire comme tout simplement la cinématique de Sylvanas aussi, avec les champs de tulipes, tout ça, c'est romancé. C'est pareil, Jaina, c'est pas une nécromancienne, hein, elle parle pas à son père mort, fantôme, qui lui dit pop, tu vois la clé là-bas, vas-y. Ça marche pas comme ça, hein, ça fonctionne pas comme ça. Donc c'est des visions romancées. Ça marche pour quasiment tous les prémices. Peut-être qu'on en fera une vidéo un jour de tous les prémices, justement, hein, ce que j'appelle les prémices, donc les courts-métrages d'animation. Donc pour revenir à Shao Hao, qui est notre principal héros du jour, j'ai envie de dire, il a étudié, donc en tant que jeune empereur, il a étudié justement et faire en sorte tout simplement, quand je dis étudier, c'est vraiment la plupart des arts, des lettres, etc. Tout simplement l'éducation classique, j'ai envie de dire, pour devenir souverain, donc une éducation de lettré, tout simplement, ce qui en fait un dirigeant instruit et lettré, donc avec pas mal de connaissances. Et lors de ses études, il va se lier d'amitié, ce qui est assez intéressant, parce que c'est dans la forêt de Jade, si je ne dis pas de bêtises, qu'il fait son éducation, et il va rencontrer un Ozen, et qui va se lier d'amitié avec ce Ozen, et ce Ozen sera connu plus tard sous le nom du Roi Singe, hein, pas d'inspiration, bien sûr, hein, évidemment, hein, Sun Wukong. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans Warcraft, il n'est pas nommé. Ils auraient pu l'appeler Sun Wukong avec un Y, hein, histoire d'être, bien sûr, différent du personnage de base. Hein. Coucou Odin. Mais non, il a pas de nom. D'ailleurs, ça aurait été intéressant de lui donner un nom. Mais il s'appelle juste le Roi Singe. On le référence sous le nom de Roi Singe. Et lors de son couronnement, notre cher Shao Hao, hein, qu'on voit ici, va, selon la tradition, justement, aller consulter l'oracle Jinyu de l'empereur, l'oracle en chef, l'oracle personnel de l'empereur, afin de recevoir la bénédiction, hein, comme un peu le sacre
comme un sacre où les rois de France allaient tout simplement à Reims pour se faire sacrer roi, et ben là c'est un petit peu la même tradition pour les empereurs, c'est d'aller voir l'oracle et l'oracle leur donne leur avenir, et généralement l'avenir c'est oui tu auras un long règne noble empereur, tout va bien se passer, tout là là, c'est, la vie est belle, tout ça tout ça. Et là le truc c'est que justement, selon la tradition, il va faire ce petit pèlerinage et... Mauvaise surprise, l'oracle, il a une vision. Et cette vision, elle est pas du tout... c'est le plus beau, c'est le plus long règne, etc. Bien au contraire. Shaowao apprend de la bouche de l'oracle que son règne sera bref et que le monde va s'effondrer sous son regard impuissant. Alors, je vous laisse imaginer que l'empereur, il vient la bouche en cœur et il se dit « Ah, c'est bon, il va me lire dans les mains, il va me dire « Ah, c'est beau, c'est cool, tout ça, tout ça. » Et le mec, il apprend que sous son règne, eh bien, tout va être détruit et que le monde va s'effondrer. Je pense que n'importe quelle personne, hein, à sa place, se prend un grand coup de déprime dans la tronche. Hein. C'est pas la meilleure journée de sa vie, on va dire. Donc, il va logiquement plonger dans une certaine mélancolie, dans un certain désespoir petit à petit, puisqu'il est pris de court, hein, il est pris à la gorge, il sait pas quoi faire en fait. Enfin, lui, il s'est toujours dit que son règne allait être tranquille, il a toujours aspiré à un règne assez tranquille où chacun pourrait profiter de la vie pleinement, et là, il apprend que tout va s'effondrer sous son règne à lui, et que l'histoire va retenir de lui qu'un empereur qui a vu tout lui tomber entre les mains, quoi. Donc c'est assez compliqué. Comme je l'ai dit, il aspire à une vie tranquille à la base, donc c'est pas du tout, on n'est pas du tout sur quelqu'un qui cherche la gloire ou quoi que ce soit. Donc il va alors s'en remettre au divin, j'ai envie de dire, hein. Il va tout simplement monter dans les Kunlai, hein, monter dans les montagnes de Kunlai, il va faire l'ascension et il va tout simplement gravir le plus haut sommet de Kunlai afin de consulter justement un astre vénérable, et pas n'importe quel astre vénérable puisqu'il s'agit de Yulon. Et non, hein, vous ne rêvez pas, c'est bien Yulon qui va être consulté en haut des montagnes de Kunlai, Yulon qui est tout simplement le serpent de jade. Donc hein, le serpent nuage vert que l'on voit hein, tout simplement ici, et l'astre vénérable va l'exhorter tout simplement à se débarrasser de tout ce qui le pèse, à tout ce qui tout simplement est en train de le faire tomber un petit peu dans la dépression, à savoir ses fardeaux, d'où le nom fardeau de Shaowao. Donc tout ce qui le retient, le tire vers le bas tout simplement. Et il va falloir que justement pour cela, il accomplisse une sorte de pèlerinage, afin justement de purifier tout simplement son esprit et d'acquérir la sagesse nécessaire justement à la résolution des troubles de son règne. Et ça c'est quelque chose d'assez important, c'est vraiment justement acquérir cette sagesse pour pouvoir justement régner du mieux qu'il peut. Donc redescendant de la montagne, l'empereur est déboussolé par les paroles de l'astre vénérable, hein, par Yulon, et il va alors consulter son ami, le roi singe, et ce qui est quand même assez important, c'est qu'en plus de la menace directe de la Légion Ardente, eh bien il y a un autre trouble qui menace son empire petit à petit, un mal venu du fond des âges, à savoir le chat. Alors qu'on soit clair, le chat, c'est un être assez particulier. Alors on a tendance, et je le dirai dans la vidéo, à l'appeler le chat, mais vous entendrez les deux souvent, soit le chat qui incarne tous les chats, ou les chats directement, avec chacun incarnant, on va dire, une plaie, je dirais la plaie de Pandarie, si on peut me permettre l'expression. Donc revenons donc à une période, on va faire un petit retour en arrière, si vous regardez dans la playlist de Warcraft, dans l'ordre chronologique, c'est tout simplement la fin de la période de ce qu'on appelle l'Empire Noir, où justement des millénaires auparavant, le titan Amantul directement arracha l'un des quatre dieux très anciens de la planète, à savoir Yar-Sharaj, le plus gros et le plus puissant d'entre eux. Yar-Sharaj fit arracher hein, de force d'Azeroth, hein, de la planète, ce qui va d'ailleurs laisser des cicatrices sur la planète, ça va déchirer le monde, et ce qui est assez intéressant, c'est que ça va créer un lac de sang au milieu de ce monde, un lac de sang tout simplement de la planète, à savoir ce qu'on appelle le puits d'éternité, qui formera plus tard le Maelstrom, et qui sera justement d'ailleurs la cause du début de la guerre des anciens, puisque les démons vont se servir de cette plaie, de ce sang, comme portail pour pouvoir rentrer sur Azeroth. Donc c'est un acte qui est très intéressant pour Mist of Pandaria, puisque déjà c'est ce qui va créer à l'origine les fardeaux de Shaowao,
et la guerre des anciens. Donc c'est quelque chose d'assez important. Et justement, des restes de la dépouille de Yar-Charaj vont tomber, hein, tout simplement, dans la région sud de l'ancienne Kalimdor, du continent unifié de Kalimdor. À l'époque, hein, tout était ensemble. Et ça, dans cette, c'est dans cette, cet endroit, d'ailleurs, qui formera le Val de l'Éternel Printemps. Et ces restes du dieu très ancien mort qu'est Yar-Charaj, eh bien, ils vont donner naissance à ce qu'on appelle le chat ou les chats. Et justement, c'est pour protéger la vie et pour pouvoir garder ce Val ancien que les Mogus furent chargés de la protection du Val et donc de la protection, entre guillemets, ou en tout cas plutôt de l'emprisonnement des chats. Et ça, c'est très très important puisque les chats, c'est pas n'importe quoi. Les chats, c'est des manifestations physiques d'émotions négatives. C'est-à-dire que Yar-Charaj étant mort, Yar-Charaj est un dieu très ancien, parfois on a la simplification, on a l'impression, il y a cette idée reçue qui est que du coup les chats sont Yar-Charaj. C'est pas le cas en fait, Yar-Charaj est vraiment mort. Les chats ne sont pas, on va dire, ne sont pas tout simplement une manifestation du dieu très ancien. C'est tout simplement l'essence, ce qu'il reste, de, en fait, du corps mort d'un dieu très ancien. On a tendance parfois à dire comme c'était à Yar-Charaj, c'est Yar-Charaj directement. Non, c'est en fait un dieu très ancien, c'est tellement puissant dans l'idée, hein, c'est pas pour rien que c'est le mot dieu est donné, que même lorsqu'il est mort, il va encore avoir un impact sur le monde. Et c'est cette puissance résiduelle qui va justement pouvoir avoir un impact sur le monde. Mais c'est pas Yar-Charaj directement. Et ce qui est intéressant, c'est justement, il n'y a pas de véritable individualité, comme je viens de vous le dire. Ils n'ont pas une profonde conscience d'eux-mêmes. C'est pas un être qui se dit « Je suis Yar-Charaj, je vais détruire le monde. Oh » Non, c'est pas le cas. Ce sont vraiment des agglomérats d'énergie de couleur noire et blanche qui ne sont que les vestiges du dieu mort. Ce qui est très symbolique d'ailleurs, hein, l'idée du noir et blanc en plus. Hein. Alors déjà, bon, ce qui est marrant, c'est que c'est les couleurs aussi du panda, le noir et le blanc. Mais surtout, le noir et blanc, ça fait référence à l'ancien, ça fait référence pour, en tout cas, un joueur et un lecteur, c'est l'ancien. Hein. Quand vous regardez une télé en noir et blanc, c'est les vieux films, etc. Alors que tout ce qui est lié au pandarène est très coloré, justement. C'est très coloré, la pandarie est très colorée. Donc on a ce rapport, justement, de noir et blanc avec l'idée d'un mal qui surgit de l'ancien temps, de l'ancien monde, qui revient de l'Empire Noir, de la période de l'Empire Noir, donc c'est assez rigolo, et que justement ce soit une émotion en particulier, et du coup bah, c'est du noir et blanc. Généralement ils sont représentés par cet aspect justement bicolore. Et en la présence justement du chat ou des chats, la moindre la manifestation négative des émotions, hein, des habitants, des lieux où résident les chats va s'exacerber. Donc les chats en tirent leur force, tout simplement, hein, leur force, j'ai envie de dire, psychique et physique, pour justement grandir, croître, se développer, jusqu'à posséder et détruire tout simplement l'individu qui a été assimilé dans ce cercle vicieux. L'idée, c'est que justement l'être, on va voir en fonction des différentes qualités, mais la personne justement va avoir potentiellement des doutes, de la peur, de la colère, etc., des émotions négatives. Ces émotions négatives vont réanimer, entre guillemets, raviver et faire croître le chat, la puissance justement dégagée par l'énergie, la manifestation physique de l'énergie. Donc au départ, elle reste une manifestation psychique. Petit à petit, elle grossit, quitte à prendre une forme véritablement physique. Et le truc, c'est qu'en présence de cette forme, eh bien, l'être va être encore plus tyrannisé par l'émotion. Donc c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel l'individu s'effondre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment une grosse référence au xénomorphe d'Alien, notamment, et aussi à Diablo avec l'idée des démons, on va y revenir juste après, l'idée du démon intérieur qui va petit à petit croître et prendre forme physique en sortant, en s'extirpant justement de l'hôte en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous le verrez, il y a vraiment une grosse thématique, j'y reviendrai dans la vidéo sur Mist of Pandaria, mais il y a une inspiration volontaire, hein, des devs d'ailleurs. Alors pour Diablo, c'est pas vraiment dit, mais vous verrez, c'est assez transparent, sachant que Diablo 3 est sorti à la même période que Mist of Pandaria, ça va en 2012. Mais en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport à Alien, il y a vraiment, vous verrez qu'il y a cette couleur, il y a ce code visuel. Et justement, s'il est vaincu, il retourne à la Terre, tels les démons de Diablo, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être vaincus, c'est un mal résiduel. On peut tempérer son influence, mais
on ne peut pas le vaincre définitivement. C'est une émotion avant tout. Donc ça, c'est assez intéressant. Et voilà, l'idée, c'est que si jamais il prend trop de place, eh ben, il tue son hôte, hein, il tue son porteur. Ça rappelle le xénomorphe qui sort, hein, qui a besoin d'un hôte et qui sort. Et ça, c'est ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, les chats sont dénombrables, puisqu'ils sont au nombre de 7 principaux, les 7 chats principaux. Donc, ce qui est intéressant, c'est que 7 chats pour 7 émotions négatives majeures, et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est représenté par 7 têtes, puisque ce sont les bouts hein, du corps de Yar-Sharash qui se sont effondrés. Donc ça, c'est assez intéressant, puisque bah, ça rappelle beaucoup hein, les 7 démons primordiaux de Diablo, etc., etc. Et comme vous le voyez, hein, chacun représente une émotion négative. On a, dans l'ordre chronologique, et vous verrez que c'est pas choisi au hasard, hein, c'est en fonction aussi des endroits géographiques, mais on a tout d'abord le doute, qui est situé un peu plus à l'est, le désespoir, un peu plus situé au sud-est. Alors ça veut rien dire, hein, vous pouvez douter à l'ouest, hein, bien sûr, mais c'est pas pour rien qu'on les a mis là, vous verrez plus tard. Et vous le verrez surtout dans la vidéo sur Mr. Pandaria. Du coup, le doute, le désespoir, l'orgueil, la peur, enfin je devrais dire l'orgueil enfin d'ailleurs, doute, désespoir, peur, colère, haine, violence, et enfin l'orgueil. Donc voilà, ça c'est les 7 grandes manifestations du chat, les 7 grands chats, ce qui forme un tout, ce qu'on appelle plus communément le chat. Et ce qui est assez intéressant, c'est que il y a les entités les plus connues et dangereuses du chat, hein, c'est 7 là, mais faut pas sous-estimer les émotions plus mineures qui sont généralement des sous-thématiques liées à ces 7 grands chats. Par exemple l'angoisse, la vanité ou l'horreur. Et une manifestation à elle seule peut anéantir une civilisation. Ça, faut vraiment en avoir conscience. Et ça, c'est aussi encore une fois dans le thème du xénomorphe, si tu le laisses grandir, il peut détruire la civilisation. Parce que l'idée, c'est que si le chat s'empare d'un individu et que du coup, il se répand, donc il contamine un autre individu, parce que l'individu, bah, du coup, au contact du chat, va devenir désespéré, va douter, va être en colère, va avoir peur, va être désespéré, etc. Donc, il fait grandir encore plus le chat, qui va contaminer d'autres individus, qui vont encore plus faire grossir le chat, etc., etc. Donc c'est quelque chose de très dangereux, le chat. On se rend pas compte, on se rend peut-être pas assez compte, mais c'est vraiment l'idée que justement il va détruire la civilisation de l'intérieur. Et à mon sens, c'est ce qui est, je trouve, le plus intéressant avec le chat. On parle souvent des dieux très anciens, et souvent ça fait fantasmer les joueurs, les dieux très anciens, parce que c'est ces immenses êtres cosmiques qui peuvent eh bien, détruire la volonté des individus, etc. Et c'est souvent très très maltraité, c'est juste je suis le grand méchant et je viens tout détruire. Et je trouve que honnêtement, ce qui est même d'ailleurs assez ironique, c'est que probablement le dieu très ancien qui est le mieux traité d'un point de vue thématique, et de ce côté de ce mal intérieur qui réside, qui peut pas être vaincu et qui reviendra petit à petit, bah, c'est le chat. Et ce qui est marrant, c'est que bah, c'est du coup l'essence d'un dieu très ancien mort, donc c'est même pas un vrai dieu très ancien. Et pourtant, c'est très intéressant à ce niveau-là, puisque c'est l'idée que ce sont des émotions qui vont te faire vriller et péter un plomb, en fait. Et qui vont potentiellement détruire ta famille, les gens que tu connais, ton village, et puis peut-être petit à petit, ta race au grand complet. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Et justement, à travers l'histoire, le chat, parce que c'est vrai que vous vous dites, mais attendez, si on a regardé toutes les vidéos annexes de Mr. Pandaria, on a vu justement les mogus, on a vu les claxis avec les mantides, etc. Donc, bah, le chat, il était là, du coup, depuis 10 000 ans, enfin, depuis, je dis 10 000 ans, mais c'est pas bien d'ailleurs, depuis des millions d'années avec l'Empire Noir, etc. Il était là, le chat. Donc, comment ça se passe? Comment les autres races ont pu interagir? D'ailleurs, j'ai eu des questions très logiques hein, sur ce fait, et c'était prévu justement d'en parler dans cette vidéo-là, puisque au fil de l'histoire, eh bien, le chat va avoir un impact sur différentes civilisations, bien sûr. Et justement, à travers l'histoire, le chat fut inexorablement attiré par le développement de différentes civilisations qui grandissent autour, justement, des lieux dans lesquels les chats se propagent, j'ai envie de dire. Et le chat, il a toujours été tapis sous ces terres-là, dans le sud de Kalimdor. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il attend une occasion pour pouvoir frapper, pour pouvoir contaminer une civilisation et la faire s'effondrer sur elle-même. Et en grandissant par les émotions négatives de cette civilisation. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, les mantides détestent justement les chats, ce qui est assez rigolo, parce que les mantides, à la base, c'est des Akir, donc ils devraient être des serviteurs des dieux très anciens. Et là, le traitement est très original, puisqu'en fait, les mantides voient dans le chat un ersatz, comment dire, une parodie d'un dieu très ancien. Donc, on a des créatures des dieux très anciens qui détestent le chat parce que justement, c'est pas un vrai dieu très ancien. Et je trouve ça génial! Je trouve ça génial en fait que justement il y ait ces dissensions, alors que ça devrait être les serviteurs du grand mal façon marteau du crépuscule, et bien c'est pas du tout le cas ici. Mais on a aussi une forme de résistance chez les mantides qui est due à leur esprit de ruche. En gros, l'impératrice n'a aucun problème,
elle résiste au chat. Du coup, elle va pouvoir déléguer tout ça avec cet esprit de ruche. Si la tête va bien, tout l'empire va bien. Donc au final, eh bien, alors peut-être qu'un jour on nous dira qu'il y a des impératrices qui ont succombé à la tentation des chats selon la période, mais au final, il n'y a qu'une seule impératrice vraiment connue, peut-être deux, mais il y a vraiment une seule impératrice connue qui a succombé au chat, c'est tout simplement à la période de Mist of Pandaria avec le chat du doute, le chat de la peur, pardon, qui va prendre le contrôle de l'impératrice. Donc ça, c'est assez intéressant parce que justement, les chats sont hostiles, enfin, les mantides sont hostiles aux chats, grâce notamment à cet esprit de corps, cet esprit de ruche qui va être leur meilleur défenseur, mais qui peut potentiellement aussi se retourner contre eux, comme à la période de Mist of Pandaria. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les mogus ont une forme de résistance aux chats qui se fait de plusieurs manières. Tout d'abord, naturellement, ils sont résistants aux chats puisque ce sont des forgés par les titans. Donc ils ont un corps de pierre avec un esprit de pierre, j'ai envie de dire, puisque leur épiderme de base de roche les immunise un petit peu au niveau des émotions négatives et donc en partie les immunise aux effets du chat. Mais il y a un autre point, parce qu'on l'a dit, c'est même pas qu'une résistance physique, on l'a dit, c'est une manifestation des émotions. Donc, qu'en est-il des mogus qu'on connaît assez brutaux, assez agressifs et assez bourrins, et assez cruels même? Eh bien, au final, c'est justement aussi un naturel assez froid et stoïque qui les rend très résistants aux chats. Ils ne sont pas immunisés aux chats, mais ils sont extrêmement résistants de base. Parce qu'en fait, les mogus, de base, sont des gros connards. C'est ce qu'il faut en conclure, non, pas du tout. Mais de base, ils sont très résistants justement à l'influence du chat, parce qu'ils sont très froids, très, très flegmatiques, très stoïques. Maintenant, on a des traces, justement, alors ça c'est l'archéologie de Pandarie qui va permettre d'avoir ces traces-là, mais on a des éléments qui indiquent que justement certains mogus ont succombé tout au long de l'histoire aux chats, donc qui ont été tout simplement esclaves de leurs émotions. Et ce qui est très drôle, c'est que les mogus du coup avaient une manière de résister à ça pour éviter que ça se propage. C'était une méthode très mogu, à savoir on exécute placidement les victimes du chat, pour éviter justement que ça se propage, pour éviter un drame plus large. Donc les mogus, c'est des bourrins, ils résistent de base naturellement au chat, et si jamais l'un des leurs succombe à l'influence, bah on l'amène, exécuté, et voilà le travail. Donc c'est très mogu au final, et ça marche très bien. À côté de ça, on a une période aussi qui est assez intéressante, c'est quand Lei Shen va constater l'ampleur du problème que représentait le chat dans son affrontement contre Shuen. C'est un épisode que je vous ai narré lors des les différents l'installation de l'Empire Mogu et Lei Shen. Lors de son combat contre Lei Shen, il y a vraiment l'affrontement de deux visions, de deux futurs possibles pour pas mal de races différentes qui sont situées au niveau du Val de l'Éternel Printemps, notamment tous les mogus qui suivent Lei Shen et qui sont prêts à servir le reste des races présentes, et Shuen qui incarne la résistance, qui incarne la tradition, qui incarne le divin, avec l'espoir tout simplement des Pandaren, mais pas que l'espoir des Pandaren, l'espoir d'autres races également, comme les Grumelots et autres, et ce qui fait que ça va être un véritable torrent d'énergie par le combat, déjà, comme on le voit ici avec cette très belle image de Peter Lee, mais également les attentes des différents peuples qui s'accrochent à ces deux figures divines, j'ai presque envie de dire, quasi divines pour Lei Shen, mais ces deux figures divines. Et ça, c'est un véritable festin pour les esprits malveillants que sont les chats. Donc voilà, ce grand combat d'anthologie, et bah pour les chats, c'est... Andale, andale. Ces chats va bien. Ça va très très bien, et les chats ils sont très contents de ce genre d'événement. C'est tcha-tcha-tcha-boum, tcha-tcha-tcha-boum, tcha-tcha-tcha-boum. Ils vont pouvoir faire la fête lors d'événements comme ça. Et du coup justement, une résistance, alors comme on l'a dit, si des mogus succombent, on les exécute. Mais en plus de ça, on va essayer de trouver un moyen, parce que les mogus, ils sont pas bêtes. Les serviteurs de Lei Shen vont tout simplement essayer d'enquêter et d'essayer de comprendre, de voir un petit peu comment ils pourraient faire, et ils vont trouver une solution à ce désagrément continu. C'est tout simplement que les émotions négatives peuvent être canalisées en un point. Un point, et ce qui va permettre aux mogus, parce que les mogus, on en reparlera dans Mist of Pandaria, mais ils ont inspiré une race et une thématique, c'est que ce qu'ils aiment bien faire, les mogus, c'est qu'ils aiment bien militariser les choses, C'est un peu les nazis, on va en faire une arme. Et du coup, les mogus, ils vont en faire une arme de ces émotions négatives du chat. Ils vont tout simplement
se servir de ces émotions négatives pour justement nourrir le dessein de la volonté impériale Mogu. Donc avec ce qu'on appelle la cloche divine, on y reviendra dans la vidéo sur Mr. Panda, et c'est déjà quelque chose qu'on a évoqué. Et cette cloche divine ne sera plus utilisée depuis l'incident d'Uldum, hein, vous savez, le cataclysme d'Uldum avec la disparition de l'armée Mogu et Zandalari. Puisque sans Lai Shen, la cloche était jugée trop dangereuse. Lai Shen pouvait canaliser, contrôler ce pouvoir, mais c'est pas le cas des autres Mogu. Donc cette arme est limite trop dangereuse, donc on va tout simplement la cacher. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lors de la révolte, bien sûr, de Kang, hein, l'idée que voilà, le peuple opprimé par les Mogu, les Pandaren, les Yongle, etc., qui vont se rebeller, eh bien forcément, ils vont réveiller, ils vont galvaniser les émotions négatives, leur haine des Mogu, leur peur, tout ça va alimenter, bien sûr, hein, les émotions négatives vont affluer et nourrir d'énergie les chats qui sont encore une fois en train de jouer des maracas. Et c'est notamment l'illustre premier chroniqueur Song, hein, qui est à je rappelle, c'est lui qui est à l'ordre, qui est créateur de l'ordre des chroniqueurs, qui va faire un énorme travail pour juguler l'influence des chats, notamment via la voix du moine, hein, on en a déjà parlé dans la vidéo sur Kang, l'idée que justement cette paix intérieure, ce calme, cette sérénité, qui est tout simplement la voix, l'aspiration, j'ai envie de dire, tout simplement des moines, et qui va faire justement l'un des les principaux instruments, en tout cas, de l'échec de la propagation des chats. Et c'est aussi cette voix du moine qui va servir de rempart, de défense naturelle contre justement le chat et son influence. Et du coup, Shao Hao, voilà, là je vous ai refait vraiment l'historique du chat à travers les âges, hein, miaou miaou bien sûr, et Shao Hao va donc, eh bien, on est à la période de la guerre des anciens, et la période de la guerre des anciens, pourquoi le chat d'un coup il ressort? C'est pas pour rien, c'est parce que sous l'influence grandissante de la Légion Ardente et des peuples qui commencent à sentir l'influence démoniaque, eh bien, vont être confrontés à différentes émotions négatives. Il y a eu une certaine, depuis la révolte de Kang, il y a une certaine stabilité au final. Bien sûr, il y a des révoltes, il y a des invasions Mogu, il y a eu des invasions trolls, etc. Mais globalement, ça va. Là, on est sur un événement apocalyptique qui menace le monde. Forcément, c'est le moment maracas pour les chats qui dansent. Qui dansent à bout de souffle, tout simplement. Donc, ils n'en peuvent plus. Donc forcément, Shao Hao va devoir accomplir l'impossible. Tout d'abord, empêcher la destruction du monde par les démons, mais aussi juguler l'influence croissante, l'influence grandissante du chat, suite justement à ce conflit et aux conséquences de ce conflit. Donc, il va devoir lui-même se confronter à ses propres peurs, à ses propres craintes vis-à-vis du destin qui l'attend et de notamment la vision que l'oracle lui a donnée sur son avenir. Et c'est notamment son ami hein, qu'on voit ici. Bon, là, c'est un artwork, c'est un fanart, c'est pas un artwork justement. Mais le roi singe va bien sûr l'aider dans sa tâche. Tâche qui s'avère bien sûr immensément complexe et difficile. Et ça rappelle un petit peu les 12 travaux d'Hercule, hein, fondateur un petit peu de la Grèce antique, et eh bien on y est un petit peu pour la Pandarie, c'est vraiment l'un des mythes fondateurs des Pandaren, hein, tout simplement, puisqu'il va falloir que Shao Hao se débarrasse de ses propres émotions négatives, ce qu'on appelle encore une fois les fardeaux de Shao Hao, hein, je pense que vous l'avez compris maintenant, et donc ce qui est intéressant c'est que ces récits, comme je l'ai dit précédemment, sont trouvables en jeu et dans les vidéos, donc n'hésitez pas à aller consulter un petit peu tout ça, et ils sont également présents dans Chronicles. Alors Chronicles résume très vite ce passage, hein, en disant les fardeaux de Shao Hao, tout ça, mais ils en parlent aussi, donc vous avez ces trois sources qui peuvent vous servir un petit peu pour être plus curieux justement de voir un petit peu cette période. Et encore une fois, en dehors de Chronicles, il reste très très vague et ne détaille pas beaucoup, les deux autres sources, à savoir les vidéos de Shao Hao, je vous l'ai dit, c'est des visions extrêmement romancées, et je préfère vraiment le redire pour que ce soit bien gravé dans vos têtes. Et en jeu aussi, c'est une version compilée des chroniqueurs. Donc, c'est pas une vision vraiment de ce qui s'est passé exactement. En liant les deux, on peut comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Mais c'est que des visions donc d'historiens internes à l'histoire de Warcraft. C'est pas des historiens externes Blizzard qui disent « Oui, c'est passé ça. » Non, non, c'est une vision de chroniqueurs qui essayent de reprendre les sources de l'époque, sachant que les historiens, c'est plutôt d'actualité, hein, c'est plutôt aujourd'hui où les historiens essayent de vraiment
de parler de l'histoire sans romancer la période, sauf que pendant très longtemps dans l'histoire de l'humanité, les historiens, eux, ils romançaient vachement les événements. Et là, en plus, bah, y a Shao Hao qui te raconte ça comme une petite histoire avec une morale, etc. Donc forcément, eh bien, il romance la chose. Il politise la chose aussi, j'ai envie de dire. Donc, le premier chat auquel va devoir se confronter Shao Hao, c'est le chat du doute qui aura lieu dans la forêt de Jade. Forêt de Jade, là où il a fait ses études. Donc, la version écrite et la version vidéo sont totalement différentes. Enfin, totalement. Elles sont très différentes. Puisque bah, la vidéo des fardeaux de Shao, si vous les avez vus, bien sûr, le roi singe n'est pas présent. Hein. Dans la vidéo, ils disent qu'il s'est fait envoler, emporter par le vent, hein, par les quatre vents d'ailleurs. Ce qui donne l'impression que c'est dans la vallée des quatre vents alors que c'est dans la forêt de Jade. Hein. Et le roi singe, justement, eh bien, dans le combat, dans la version des chroniqueurs, justement, va pleinement participer au combat contre le chat du doute et aider l'empereur dans son affrontement. Ce qui est intéressant, c'est que le roi singe va avoir l'idée de se mettre un masque, justement, un masque représentant cette émotion négative, à savoir le doute. Donc, bon, comment représenter le doute, ça c'est dur, mais il va réussir à représenter le doute. Shao Hao va s'en mettre un masque qui va canaliser et pouvoir justement extirper cette émotion négative avant qu'elle le tue. Et il va pouvoir directement se confronter à ses propres doutes. Et il va du coup pouvoir lui casser la gueule. Et ce qui est vachement important, c'est qu'on a vraiment deux versions un petit peu différentes, mais qui au final soutiennent la même chose, à savoir le message philosophique et poétique derrière, à savoir que Shao Hao, face à la tâche qui l'attend, est forcément envahi par le doute, et va pouvoir justement réussir à faire... échapper tout simplement ces doutes là et vaincre le doute qui est en lui. Donc c'est les deux sources là-dessus sont, même si elles sont différentes dans les faits, sont malgré tout servent le même message, bien sûr, encore une fois philosophique. Ce qui est intéressant, c'est que Shao Hao ce qu'il reste à faire après avoir battu le doute, et il va justement commencer son voyage en se rendant à chaque temple lié aux astres vénérables et leur demander conseil, aide, protection et assistance. Et ce qui est assez intéressant, c'est que chaque astre vénérable représente un point cardinal, à savoir l'Est. On a tout simplement Yulon qui est à l'Est, hein, qui représente donc l'Est au niveau de la... et qui a son temple dans la forêt de Jade, là où il y a l'affrontement contre le doute. D'ailleurs, le doute a été enfermé, puisque là il est vaincu par Shao Hao, le doute va être enfermé sous le temple du serpent de Jade. Nous avons au sud, dans la forêt, enfin dans les vallées des quatre vents, mais surtout Krasarang, eh bien nous avons Chiji, à savoir la grue rouge. Nous avons New Zhao à gauche, à l'ouest, tout simplement, au niveau tout simplement des steppes de Tanglong. Et je rappelle que les terres de l'angoisse in-game sont une extension de Tanglong. Tanglong, c'est les deux zones en fait. Et au nord, nous avons Xuan, hein, ça se prononce Xuan, je sais que souvent ça se prononce Xuan, vous pouvez tout à fait dire Xuan, il n'y a pas de problème, mais ça se prononce Xuan. Et Xuan, c'est le tigre blanc, hein, la force, tout ça, et lui, il est au nord, il est dans les montagnes de Kunlai. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va faire son petit voyage de l'est, sud, ouest, et il va finalement aller au nord. Et dans les terres sauvages de Krasarang, eh bien, il va justement le lutter aux côtés de l'astre local, à savoir Chiji, la grue rouge. Et dans les deux, et encore une fois, il y a deux versions qui sont un peu différentes. La cinématique, hein, ne parle pas de l'intervention du roi singe. Le roi singe est totalement absent du récit sur le chat de la peur, et il va affronter du coup le chat de la peur, notamment avec l'aide du roi singe qui va de nouveau façonner un masque représentant la peur. Bon, ça c'est plus simple. Et le roi singe, encore une fois, non cité dans la cinématique. Et finalement, le chat de la peur va être enfermé sous le temple de Chiji, donc à Krasarang, dans le temple de Krasarang. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est donc une image tirée de la cinématique. Et comme vous le voyez, le chat, c'est là où je vous parlais du xénomorphe. Là, vous le voyez vraiment avec la représentation artistique du chat de la peur, où on voit presque de facehugger, hein, vous savez, cette espèce d'araignée qui jaillit sur la tête, qui se met sur la tête de son porteur et qui va lui pondre un œuf à l'intérieur de lui. L'œuf va éclore. La larve va s'extirper du corps de l'hôte et finalement va devenir un xénomorphe. Et ben là, ça ressemble, là vous le voyez, hein, c'est vraiment très présent. Avec le côté encre noire aussi qui représente vachement les chats, comme si c'était un message d'histoire, comme si c'était quelque chose qui prenait vie, quelque chose de figé qui prend vie, encore une fois dans la thématique des chats. Et l'encre noire, c'est l'huile noire, hein, c'est vraiment très Prométhéeus.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que justement, les devs, ça pour le coup, ils en ont parlé en interview, c'est le chat, pour la version un petit peu finale, pour le chat, ils se sont inspirés de Prometheus, comme quoi on peut faire des choses très bien avec un départ catastrophique. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que justement, eh bien, ils se sont inspirés de ça pour représenter un petit peu le chat. Et au final, bah, ça marche plutôt bien, et là, on le voit vraiment au niveau de l'imagerie. Là, par exemple, le chat de la peur, enfin, le chat du doute, moi, j'ai plus l'impression d'y voir un gardien des secrets de Slaanesh, de Warhammer, qu'autre chose, mais au final, ici, on voit vraiment quasiment un facehugger. Hein. À côté de ça, donc, débarrasser du désespoir et de la peur, hein, débarrasser de ce qu'on appelle ses craintes, désespoir et peur, c'est les craintes de chat OAO, il va tout simplement continuer son voyage vers l'ouest, et il lui reste... Mais ce qui est intéressant, c'est que il a ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut vraiment pas oublier que malgré tout il a justement donc vaincu le doute, vaincu le désespoir, mais maintenant il va être confronté à la peur, il est submergé par la peur. Certes, il ne doute plus, mais il reste tétanisé par la peur. Et le truc, c'est que dans les vidéos, on a l'impression en fait que c'est vraiment tour à tour chaque émotion qui va jaillir et l'affronter. C'est pas aussi vrai, c'est-à-dire que toutes les émotions négatives sont présentes de base dans Shao quand il apprend le destin terrible qui lui a... Enfin, quand il apprend la tâche qui lui incombe. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et on pourrait se dire aussi, mais c'est un peu bête, moi-même je me suis posé la question, passer de doute, ça, ok, hein, le premier truc c'est que tu doutes, ok, mais passer du doute au désespoir et ensuite la peur, c'est un peu étonnant, on pourrait se dire, bah, crescendo, ça devrait être doute, into peur, into désespoir. C'est pas le cas. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on a cette idée que le doute l'a désespéré, donc forcément dans ce désespoir il y a de la peur, mais il a réussi à ne plus être désespéré, mais la peur est conservée, il a toujours peur. Donc au final, la construction est quand même bien faite et logique. Au premier abord, on pourrait dire que c'est pas terrible, qu'au final, on a loupé un cadran, mais la peur était présente. Quand il a affronté le chat de désespoir, la peur est quand même présente. Donc, finalement, il a réussi, mais l'état de désespoir qui est vraiment absolu, là, on retourne vers de la peur, quelque chose qui, certes, est peut-être moins puissant. Alors, excusez-moi l'expression de puissant, parce qu'il faut éviter de dire que tel chat est plus puissant que l'autre, mais en fait, les chats sont dans un état de puissance en fonction de l'émotion négative. Donc, le désespoir, c'est potentiellement un chat qui est plus difficile à arriver à venir par rapport à l'émotion. Hein, on commence généralement par la peur et ensuite on est désespéré. Par contre, quand le désespoir arrive, l'émotion est très 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 forte. Donc c'est un chat en fait qui est on-off presque, j'ai envie de dire. C'est un chat qui est pas là. Et au moment où il y a le désespoir, c'est... ça monte très très vite quoi. Et pour le coup, la peur, lui par exemple, serait un chat qui serait plus présent un peu tout le temps. Mais... quand il sort, bah, il est peut-être un peu moins violent que le désespoir qui, lui, d'un coup, il est très binaire, en fait, le chat du désespoir. Contrairement au chat de la peur qui est assez résiduel et assez présent tout le temps. Par contre, s'il y a trop de peur, bah, bien sûr, lui, il va grandir en force. Et pour le coup, c'est un peu le cas ici avec les épisodes des steppes de Tanglong, où justement, même s'il n'est plus sujet au désespoir, il est toujours effrayé par la tâche qui l'attend. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, il va se rendre directement avec le roi singe et Chi-Ji dans les steppes de Tanglong, différent de la vidéo ici où justement il doit aider le roi singe, et il va demander conseil à l'astre vénérable de l'ouest, à savoir Niu Zhao, l'esprit du courage. Et ce qui est intéressant, c'est que bis repetita, hein, le roi singe, ils vont parler à fond de ce que représente la peur, etc., etc. Et à la fin, le roi singe, il fait merci pour ce débat, tiens, un masque avec la peur, tu vas pouvoir te mettre la peur sur le visage, et il va tout simplement, Shao Hao, tel un bon américain, il va pouvoir lui casser la gueule. Il va lui casser la gueule et ils vont enfermer le chat de la peur du coup sous le temple de Niu Zhao. Donc on a le chat du doute qui est enfermé sous le temple du... On va faire un récap, hein. Chat du doute sous le temple du serpent de Jade, donc forêt de Jade. Le temple du désespoir qui va être enfermé sous le temple de Chi-Ji et le chat de la peur qui va être enfermé tout simplement dans les steppes de Tanglong sous le temple de Niu Zhao. Donc ça, c'est vraiment important à retenir, très important à retenir. Ayant vaincu la peur, eh bien, comme c'est une émotion encore une fois, on est tout simplement sur quelque chose qui est encore une fois extrêmement intéressant, je trouve, d'un point de vue thématique. Maintenant qu'il n'a plus peur, qu'il n'est plus désespéré, qu'il ne doute plus, eh bien, Shao Hao regagne le nord sous l'insistance de Chi-Ji, ce qu'on voit pas du tout dans les vidéos pour le coup, mais en gros, Shao Hao, il était presque en mode, bah, c'est bon, mon voyage est fini, j'ai plus peur, c'est bon, plus rien ne m'effraie,
C'est bon, même pas besoin de continuer le voyage, c'est bon, mon but est atteint. Et Shiji lui fait non. C'est bien, tu as vaincu ta peur, tu as vaincu ton désespoir et ton doute, tu as vaincu tes craintes, mais tu devrais aller voir Shuen, peut-être qu'il pourrait te prodiguer aussi de très bons conseils. Donc finalement il va insister et Shao Hao va y aller, hein, il va aller au nord et rejoindre Shuen. Et ça c'est intéressant parce que Shao Hao, vraiment dans la cinématique on a l'impression que ça se passe bien, etc. Alors que là, on voit déjà un petit peu le péché d'orgueil, j'ai envie de dire. On voit déjà qu'il est en train de se dire « c'est bon, j'ai plus peur ». Et justement ce qui est assez intéressant, c'est de montrer à quel point, en fait, même si les chats représentent tous à la base un corps commun, même en fait la défaite d'un chat peut entraîner la puissance, l'amélioration d'un autre. Et ça c'est intéressant encore une fois dans l'idée des dieux très anciens aussi, même si bien sûr ce sont pas des dieux très anciens, ils sont liés à l'essence morte d'un dieu très ancien. Et ce qui est intéressant c'est l'idée que même encore une fois dans la thématique des dieux très anciens, le chat je trouve ça encore mieux travaillé aussi que les dieux très anciens, parce que les dieux très anciens on sait qu'ils se sont battus entre eux mais ils cèdent. Et là les chats, ce qui est intéressant c'est que même quand un chat perd, on pourrait dire ça affaiblit les autres, et en fait ça renforce les autres. Parce que comme c'est une émotion, comme il n'a plus peur, d'autres émotions vont pouvoir naître de cette absence de peur. Et ça c'est ce qui arrive justement avec son épisode dans le Nord, avec le tigre blanc qui décèle justement en Shao Hao une intrépidité dangereuse. Le fait qu'il n'ait plus peur, ça le rend intrépide, ça le rend... beaucoup plus... la peur a aussi un point positif, c'est de te faire te remettre en question, de poser des choses, de ne pas foncer tête baissée. Ce côté intrépide, et c'est ce qui le rend vraiment justement dangereux. Donc ça, je trouve ça vraiment vraiment cool. L'absence de peur peut être également un problème. Et ça c'est vachement intéressant au final comme thématique. Et du coup, l'empereur va recevoir un bâton de la part de Shuen pour justement essayer, hein, il va lancer un défi, il va dire « écoute, essaye d'affronter un de mes moines, un des moines de Shuen, pour pouvoir justement, qui en fait un très très bon guerrier. » Et au final, l'empereur va commencer à s'énerver, puisqu'il va tout simplement, les guerriers, les moines de Shuen sont trop rapides, trop agiles, et du coup l'empereur n'arrive pas à les toucher, malgré sa formation de combattant, il n'arrive pas à les affronter. Donc au final, tout simplement, il n'arrive pas à les toucher une seule fois. L'empereur va du coup se mettre en colère, il va être frustré, il va commencer à jurer, et il va casser son bâton. Et ça c'est assez intéressant parce que Shuen lui explique qu'il va justement céder à ses propres passions. L'absence de peur l'avait rendu trop sûr de lui. Et cette absence de peur va se matérialiser sous la forme de trois chats, à savoir colère, haine et violence, hein, qui sont directement nés de la frustration, de la colère, de la haine et de la violence de Shao Hao. Et l'empereur va s'en trouver changé à jamais parce que à cause de la naissance de ces trois chats, eh bien, il va tuer directement en fait un des moines sous sa colère. Et ça, c'est vraiment important parce que justement dans la cinématique, on le voit juste mourir, succomber au chat, alors que là, en fait, c'est l'idée que ce soit Shao Hao qui est habité par cette violence, par cette haine et par cette colère. Eh bien, il va tuer un des moines. Et ça, c'est quelque chose d'assez important parce que le pauvre gars, il a rien demandé à personne et il s'est fait détruire. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que l'empereur va se rappeler qu'il a du sang sur les mains, en fait. Il y a des conséquences à ses actions, justement, et il a du sang sur les mains. Et l'empereur Shao Hao sait maintenant, hein, il a lui-même constaté la menace que représentent les chats. Elle peut tuer des personnes qui sont totalement innocentes et autres. Donc, il sait que les chats seront un fléau et résisteront. Shuen le rappelle que, même s'il l'a vaincu, ils reviendront un jour ou l'autre. Parce que les émotions, c'est tout simplement le... C'est normal en fait, c'est normal pour les individus, donc forcément les chats pourront revenir. Donc là il va tout simplement missionner les moines de Shuen afin d'être les veilleurs sur le mur, afin d'être l'épée dans les ténèbres. L'ordre des Pandashan émerge à ce moment-là, et c'est ce jour-ci que la veille des Pandashan commence, tout simplement, hein, la longue veille des Pandashan afin de protéger le monde, afin de protéger l'Empire Pandaren des menaces que représente le chat. Pas que le chat, mais la principale menace pour eux, c'est le chat. Ce qui est assez intéressant aussi, alors ça c'est absent du récit in-game, mais c'est présent dans la cinématique, il y a l'idée que l'empereur veut se constituer une armée. Alors ça, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment présent que dans la cinématique, et d'ailleurs ça part à la fin, ça sert de transition entre différents épisodes, hein, entre celui de la peur et celui de la violence, de la haine
et mince, j'ai oublié le troisième, violence, haine et colère, pardon. Et du coup, il a besoin d'une armée pour justement affronter les légions démoniaques. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fin de la cinématique, il n'en parle pas du tout. Et pourtant, c'est assez important, j'y reviendrai en fin de vidéo, mais ce passage, justement, rappelle qu'il a besoin d'une armée. Alors, à la base, c'est pas forcément pour se confronter au chat, mais au démon. Et finalement, à l'issue de la vidéo, on se rappelle que tout simplement, cette armée sera là pour contrer le chat. Et on y reviendra après, gardez ce point en tête, on y reviendra après, mais c'est assez intéressant aussi, parce que ça pourrait... à ces sujets d'interprétation, mais ça pourrait coïncider avec d'autres sources dans le lore qui parlent d'une intervention des Pandaren pendant la guerre des anciens. En tout cas, Shao Hao, se sentant prêt, enfin ayant vaincu 6 des chats, se dit que c'est bon, il peut retourner au Val afin d'affronter la tempête qui s'annonce, et l'invasion de la Légion Ardente petit à petit grandit encore une fois, et elle plonge ses sujets dans les pires craintes auxquelles Shao Hao a lui-même été confronté, à savoir... voilà, ils sont terrifiés, ils sont en colère face à la situation, etc., etc. Donc les chats se renforcent en fait de nouveau, même si Shao Hao lui a vaincu ses démons intérieurs, hein, si je puis le dire. Au final, sa population, elle, est confrontée hein, de plein pot aux chats. Donc les chats sont en train déjà de revenir et d'être renforcés par toute cette puissance psychique. Et au final, et émotionnel surtout, Shao Hao trouve les mots afin d'apaiser la population. Hein. Il pensait principalement penser de se tourner vers la famille et de vivre l'instant présent, hein, le côté un peu carpe diem, hein, vivre chaque jour comme le dernier. On a pop, pardon. Et du coup, c'est les chats en moi qui mugit, qui miaoute, miaoute. Et du coup, c'est vachement important, c'est justement l'idée de, voilà, de protéger la famille, de protéger l'Empire, etc. Les devoirs, on va dire, liés à l'Empire Pandaren qui permettent d'être un petit peu le ciment face aux émotions négatives qui pourraient envahir chaque être. Et ce qui est intéressant, c'est que Shao Hao a également une idée. Il veut, face vraiment à la destruction du monde, il veut essayer de séparer une partie de ses terres grâce à la magie, en étant renforcé par les astres. Il servirait de catalyseur pour lancer un puissant sortilège afin de protéger son empire et ses sujets de l'invasion de la Légion Ardente, de l'invasion démoniaque, afin de les préserver, encore une fois, de l'effondrement du monde. Et détaché du continent unique, son empire pourrait survivre. En tout cas, ça, c'est l'aspiration qu'a Shao Hao, justement, hein, puisque encore une fois, ses terres sont géographiquement situées pas très loin du puits d'éternité, hein, le noyau, j'ai envie de dire, du cœur de la tempête. Donc ça, c'est un souhait qui est tout à fait noble de sa part, hein, de vouloir protéger son peuple. Le problème, c'est que Shao Hao, lorsqu'il lance son invocation, il lance son incantation, il incante son sort, et il se rend compte qu'il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à canaliser suffisamment d'énergie pour pouvoir accomplir sa volonté. Et donc, il commence à être frustré, cet échec le fait un petit peu douter, donc là, le pouvoir du chat continue à s'amplifier, et il fait appel au serpent de jade, comprenant pas vraiment comment il arrive à échouer. Pourquoi cet échec soudain, alors qu'il avait réussi à vaincre les chats? Et là, ce qui est assez intéressant, c'est justement Yulon, est le seul astre d'ailleurs qui apparaît à ce moment-là, on pourrait avoir les quatre, mais non, il n'y a que Yulon en tout cas qui apparaît et qui s'exprime. Elle répond, cher empereur, la Pandarie est plus que l'empire Pandaren. Vos ennemis à l'ouest font autant partie de cette terre que votre empire derrière le mur. Et le mur qui est évidemment une référence à l'échine du serpent. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, Shao Hao, au départ, il voulait justement récupérer que les terres Pandaren, donc avec les Ozun, les Jinyu, etc. Mais il avait exclu les Mantides, il avait exclu les Yongol qui étaient situés au-delà du mur. Alors, il est fort probable que les astres interviennent aussi, parce que bon, s'il exclut les terres à l'ouest du mur, bah il excluait un petit peu un astre vénérable, un Yu Zhao, il était en transpiration, eh oh, m'oubliez pas. Donc au final, Shao comprend pourquoi il n'a pas pu, parce qu'il avait oublié les steppes, hein, il avait oublié les terres de Tanglong, donc forcément, les astres faisaient barrage, faisaient obstacle à l'incantation du sort. Maintenant que Shao comprend, hein, Shao Hao, il a fait Yulon, au secours! Et du coup, Yulon lui explique bien que tout fait partie, justement, tout n'est qu'un tout, et donc il faut récupérer l'ensemble. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc pendant la fin de la guerre des anciens,
l'affrontement prenant des proportions cataclysmiques pour une proportion apocalyptique, eh bien, toutes les races du monde étant concernées, les Pandaren, justement, Shaowao va lancer son incantation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va pouvoir, grâce avec la bénédiction des astres, eh bien, il va pouvoir protéger les terres de l'Empire Pandaren de la dévastation mondiale. Ce qui est assez intéressant, et là, rappelez-vous de ce que j'ai dit concernant les moines de Shuen, qui vont former l'ordre des Pandashan, eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sait, notamment dans la période de la Guerre des Anciens, dans la trilogie de la Guerre des Anciens, et dans le jeu de rôle, on sait que les Pandaren, on a des hommes-ours qui sont présents, alors bien sûr les Furlbogs, mais aussi des hommes-ours noirs et blancs, donc ce qui indique vraiment que les Pandaren ont eu un rôle pendant la Guerre des Anciens, et notamment bien dans le jeu de rôle, là c'est clairement dit, hein, y a pas de métaphore ou quoi que ce soit, c'est clairement dit, les Pandaren ont participé à la résistance Kaldorei, donc la résistance dirigée par les Elfes de la Nuit, lors de l'affrontement contre la Légion Ardente. Cette résistance, elle était multiraciale, à la base c'est principalement une armée elfe de la nuit, mais derrière, aux armées elfes de la nuit vont se joindre les Furlbogs, donc les hommes-ours, les Pandaren, on sait qu'il y a des ancêtres des humains, donc les Vricules, on sait qu'il y a des ancêtres des nains, donc des terrestres, on sait qu'il y a les Orocs et les ancêtres des Tauren, etc. etc. Donc, et on sait aussi que, enfin voilà, il y a plein de races, et les races présentes à l'époque, qui se sont joints conjointement contre la Légion Ardente. Certaines, comme les trolls par exemple, ne sont pas confirmées dans la résistance, mais on sait que les trolls, bah, ils avaient plein de territoires et ils se sont directement confrontés à la Légion Ardente. Donc, on sait qu'à peu près toutes les races de l'époque se sont heurtées à la Légion Ardente. Donc c'est pas illogique, et en plus ça a été dit noir sur blanc. Le problème c'est que le jeu de rôle, bah, il a été petit à petit décanonisé, même si aujourd'hui on reprend tous les éléments constitutifs du jeu de rôle pour les canoniser, mais le jeu de rôle en lui-même n'est plus canon, donc il n'est plus dans le canon, donc c'est vrai qu'on ne sait pas exactement où ça en est, et par contre la guerre des anciens, elle n'est pas aussi factuelle sur l'intervention Pandaren, mais globalement on sait que les Pandaren avaient rejoint la résistance. Le truc, c'est que dans les récits de Shaowao, ils n'en parlent pas, mais dans l'épisode justement sur la colère, la violence et la haine, ils parlent de l'armée constitutive pour contrer les armées pour contrer la Légion Ardente. Donc au final, ça donne quand même sujet 1. Là, c'est mon interprétation, bien sûr, mais ça laisse libre à l'interprétation que non, ça n'a pas été décanonisé et que les Pandaren ont bien rejoint la Résistance. Donc, mais pas Shaowao directement. Donc la fin de la période de la Guerre des Anciens, c'est l'événement cataclysmique. Si vous avez regardé la vidéo de prémisse sur Ashara, vous savez de quoi on parle, c'est ce qu'on appelle la grande fracture, c'est-à-dire que le puits d'éternité s'effondre sur lui-même, engloutissant le monde sous les flots, ce qui va former le Maelstrom, hein, le centre, vous savez, du monde, et ça va, l'ancien continent de Kalimdor va être majoritairement sous les flots, et du coup, eh bien, le nouveau continent de Kalimdor sera à l'ouest, le continent, on va dire, d'Azeroth, les royaumes de l'est, à l'est, le Northrend ou Northandre au nord, et du coup, il y a un nouveau continent qui va se fragmenter vers le sud et qui va être protégé et résister justement à cet événement cataclysmique. C'est ce qu'on va appeler la Pandarie. Et oui, la Pandarie, c'est tout simplement cette grande vague qui a tout simplement dévasté le monde, n'atteindra jamais les terres de l'Empire Pandaren, puisque Shaowao, lors de l'incantation de son sort, va séparer le continent, mais va surtout protéger le continent du raz-de-marée. Il va perdre quand même une partie de ses terres, hein, bien sûr, puisque par exemple au nord de Kunlai, il y avait d'autres terres qui notamment étaient très appréciées des Andalari, hein, c'est les terres que voulaient les Andalari et qui avaient été promises par Leishen, hein, on en a déjà parlé dans la vidéo sur les empires. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que Shaowao, libéré de ses fardeaux, va atteindre un état, j'ai envie de dire, atteindre son plein potentiel, et c'est quelqu'un qui, mine de rien, est très puissant dans la force, il est très, il a une volonté de faire, et au final, il va réussir l'incantation de son puissant sortilège, aider des astres vénérables qui vont lui donner une partie de son énergie, afin de réussir le sort pour protéger ce qu'on va appeler la Pandarie. Le truc, c'est que l'incantation de ce sort a un coût, c'est un sort immensément puissant, imaginez, hein, protéger le monde, même Ashara n'a pas réussi à protéger Enfin, Zinash Shari face à la vague, elle a tenu un petit peu toute seule pendant un moment, mais même elle n'a pas réussi, donc pour réussir, Shaowao il a puisé dans sa propre énergie, et il a puisé surtout dans l'énergie des astres vénérables, ce qui renforce considérablement le sort, mais surtout, eh bien, il va en payer le prix, puisqu'il va sacrifier, il va faire l'ultime sacrifice, il va sacrifier sa vie, il va puiser dans ses dernières forces vitales, afin de réussir l'incantation du sort, ce qui fait qu'il est lié
même dans l'au-delà, elle est liée au destin de la Pandarie, de ce qu'on appelle maintenant la Pandarie, puisque ce bloc de terre qui forme le nouveau continent s'appelle maintenant la Pandarie. Parce qu'avant, on ne sait pas vraiment quel est le nom, peut-être que ça s'appelait déjà la Pandarie, mais avant, ça n'a pas de nom. Donc c'est vraiment à partir de là qu'on appelle la Pandarie. Et au final, Shao Hao a perdu des terres aussi dans la protection, justement, dans le lancement du sort avec le continent qui dérive. Et bien, on a perdu une partie des terres de l'Empire Pandaren. Donc maintenant, et voilà, il a fait le sacrifice ultime pour sauver ce qu'on appelle maintenant la Pandarie. Shao Hao avait vaincu le chat, mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est pas définitif. Et le chat va rester, ou les chats vont rester tapis dans l'ombre en attendant justement leur heure, enfermés dans le sol de la Pandarie, hein, dans les différents temples comme je l'ai évoqué. Donc pareil, haine, violence et colère qui vont être cachés sous le temple de Shuen, donc dans les profondeurs de Kunlai. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ils vont attendre qu'à un moment donné, un événement arrive, potentiellement cataclysmique, qui pourrait réengendrer toutes les énergies négatives pour les ranimer. Et ça, c'est la raison aussi vraiment culturelle, c'est la particularité culturelle des Pandaren. La plupart des joueurs, la plupart des gens se disent que les Pandaren, ils sont très cuculapraline, ils sont très doux, ils sont très positifs, c'est très gnangnan, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour expliquer justement ce comportement très calme, très positif des Pandaren, c'est justement parce qu'en fait, s'ils sont pas calmes, s'ils sont pas sereins, s'ils ne prennent pas les choses avec recul, etc., eh bien, ils se font bouffer par leurs démons intérieurs. Donc, je veux dire, juste expliquer une culture de tout un peuple sur le fait que si jamais ils se ratent instantanément, il y a un démon de l'ancien monde qui émerge et qui détruit leur civilisation, tu peux comprendre que les mecs soient ultra calmes, ultra posés, essayent de prendre du recul sur tout ce qui leur arrive. Et c'est justement le grand rôle qu'a joué Shao Hao, puisque Shao Hao va inspirer tous les Pandaren. Et en gros, j'ai envie de dire qu'un peu tous les Pandaren sont des moines dans l'idée, puisqu'ils vont devoir tous trouver le calme, la paix, la sérénité et le calme intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Parce que beaucoup de gens voilà, se disent les Pandaren c'est cucu, etc. Bah, au final, les Pandaren ils sont comme ça parce que sinon ils se font bouffer. Donc ça forge une certaine manière de faire. Et comme on l'a dit, chaque race a sa manière de faire. Les Mantides ont leur manière, les Mogus ont leur manière, les Pandaren ont leur manière de faire, mais ils sont tous sujets, ils sont tous potentiellement victimes de l'influence du chat si jamais ils ne va dire, respectent pas leur code, leur commandement. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important à garder à l'esprit. Et seul un chat ne fut pas défait par Shao sur les 7, vous vous en rappelez, hein, il y en avait 7, et au final, le 7e, le seul qui n'a pas été vaincu, c'est l'orgueil. L'orgueil qui, lui, est resté toujours présent et qui reste tapis dans l'ombre, plus puissant que les autres étant donné qu'il n'a pas été vaincu par Shao Hao, mais qui attend lui aussi son heure, et puisque bah, finalement l'orgueil en plus est présent dans les actes de Shao Hao, puisque même s'il a fait l'immense sacrifice qui est déjà énorme, eh bien au final, il se considère comme étant le cœur de la Pandarie, lui-même il s'appelle le cœur de la Pandarie, et en isolant son peuple du reste du monde, il indique une certaine supériorité des siens vis-à-vis du monde, et qu'il ne serait pas concerné par les problèmes du reste du monde. Donc c'est quelque chose d'assez important, un être au-dessus, on va dire, des problèmes. Et le chat de l'orgueil, il est assez létal, hein. il est létal car latent. Et oui, il est très dangereux puisqu'il peut attendre des millénaires avant d'émerger, et il est très pernicieux dans sa nature même, dans l'émotion naturelle qu'est l'orgueil. Le péché d'orgueil, tout ça, tout ça. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que le sortilège de Shao Hao a cette volonté de protection pour l'impandarie, mais c'est un sort qui est durable, qui est assez intéressant, puisque c'est un sort qui est immensément puissant, hein, pour tenir tête à un raz-de-marée gigantesque, bah, fallait déjà le faire. Mais en plus de déplacer un continent, il y a un autre effet à ça, c'est tout simplement que Shao Hao a tissé les brumes, l'origine du tisse-brume, la spécialisation du moine dans le jeu, mais il a tissé les brumes qui vont entourer et protéger la Pandarie, d'où le Mist of Pandaria, tout simplement le fait que ce soit les brumes de la Pandarie qui vont magiquement servir à cacher sa propre perle, à savoir son territoire, la Pandarie et son peuple, tout simplement sa fierté, et ainsi mieux protéger son peuple qui restera invisible aux yeux du monde. Donc ça, c'est quelque chose de très très important dans l'incantation de ce sort. Et justement, Shao Hao, c'est pour ça qu'il va gagner le titre de dernier empereur, puisque à sa mort,
eh bien, le système politique de la Pandarie va changer. Avec ce calme, avec cette plénitude que les Pandaren atteignent, eh bien, le système d'empereur semble légèrement obsolète. Et au final, eh bien, on va passer d'un système impérial à un système plus communal, en fait, hein, qui va être tout simplement localisé. C'est-à-dire que chaque village, chaque ville, va devenir son propre organe politique. Et du coup, il va y avoir tout un système de mairies. On reviendra après, on reviendra dessus dans la vidéo sur les Pandaren. Mais en gros, chaque ville élit un maire. Et le maire va du coup être un petit peu le chef d'État, mais localisé. Ce qui fait que chaque ville va essayer d'avoir sa propre manière de fonctionner. Ce qui fait qu'on n'a plus un siège véritablement. C'est vraiment un gouvernement décentralisé complètement, puisqu'on n'a plus de capitale de l'Empire ou quoi que ce soit. C'est vraiment maintenant chaque village a sa propre autonomie et on va pas se fermer, hein. Tous les villages vont être reliés les uns aux autres avec du commerce, etc. Mais c'est quelque chose, vraiment, on change le paysage politique de Paris, mais vous m'avez compris. Et au final, on n'est pas dans un système non plus idéal, puisque il va y avoir quand même des incursions, il va quand même y avoir des menaces malgré tout, même si ça va se calmer, c'est pas la guerre des anciens, donc c'est plus calme, mais on a quand même des incursions du chat localisées à certains endroits, à certains moments, qui vont du coup être combattues par les Pandashan, mais aussi des incursions et des rébellions Mogu, le cycle mantide qui continue, hein, tous les 100 ans les mantides débarquent sur les chines du serpent et fracassent la résistance qui est présente, et ça va être l'ordre des Pandashan qui va devoir gérer tous ces problèmes, mais on a aussi les invasions Yon'Gol, et on a aussi, faut pas l'oublier dans le sud, la menace Sorok qui doit être tempérée, jugulée. Donc voilà, il y a quand même toujours des problèmes, mais globalement pas d'incident majeur jusqu'à la période de Mist of Pandaria. Les millénaires donc vont s'écouler pendant, comme je l'ai dit, pendant laquelle la Pandarie reste relativement paisible. Je dis vraiment relativement parce qu'encore une fois, il peut y avoir plein de problèmes. Il y a toujours des menaces en Pandarie, hein, c'est pas le meilleur, la fin, c'est pas ça finit bien, tout est beau qui finit bien. Non, on a toujours des problèmes. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les Pandaren de Pandarie pensent que le monde est détruit. Ils pensent que le monde est détruit, que seul Shao Hao a pu sauver les terres et que le reste est totalement détruit. Ils sont coupés vraiment du monde, hein, ils sont totalement isolés du monde. Et aucun Pandaren n'osera vérifier en fait cette information. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va voir dans la prochaine vidéo d'annexe de Mist of Pandaria, nous verrons la vie de Liu Lang qui est le premier Pandaren à quitter la Pandarie. Et surtout, ça sera une vidéo sur Liu Lang et l'histoire des Pandaren. Et ça sera du coup l'histoire sur les Pandaren jouable de World of Warcraft. Donc ça c'est le prochain opus, sachant qu'il y a aussi la vidéo sur Terramor qui arrive. Et on pourra enfin attaquer l'histoire de Mist of Pandaria elle-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions. C'est une thématique qui est, je sais, qui n'est pas forcément très connu des joueurs. Je pense que certains vont peut-être même découvrir les vidéos sur les fardeaux de Shao Hao, que je vous conseille encore une fois, et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à Evanessor qui m'a beaucoup aidé dans la création de cette vidéo, et c'est lui qui est à l'impulsion. Moi j'aurais juste fait une critique de cinématique, et au final on s'en est servi pour faire vraiment toute une recontextualisation, et il avait totalement raison là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux, son Twitter, son Facebook, son YouTube, son Twitch. Je fais plein de bisous, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, en Pandarie. Salut à tous, c'est Shao Hao qui vous parle de l'au-delà. Sachez que j'ai affronté les chats en leur cassant la gueule, j'ai mis un masque, comme vous le voyez. Ici c'est pour affronter le chat du cheval, miaou miaou. Je fais bien le chat, vous trouvez pas? Et l'idée c'est, du coup je mets un masque, l'émotion négative ressort, comme vous le voyez là c'est tout noir, et du coup je lui casse la gueule. Voilà, bisous bisous, on a procédé à l'ablation du chat de Pandarie. A bientôt.